Et salut à toutes et à tous les amis, c'est Nanik. On se retrouve pour l'épisode numéro 4 du Let's Play sur Far Cry Primal. Alors, je vous laisse le petit résumé, voilà. Donc dans l'épisode précédent, donc on avait subi l'attaque des Goudames. Donc on s'est vengé, on a pété les arbres à dos, tout ça, tout ça. Ok, donc maintenant on va continuer. Alors on va directement aller voir si on peut se fournir un truc un petit peu sympa, des os, ok. Ah, le silex il faut souvent. Le bois c'est super important aussi. Voilà. Là oui, d'accord, ok. Donc ça on l'avait fait déjà une fois. Ah donc on avait déjà bien avancé, on avait bien amélioré les huttes, c'est pas mal. C'était pas mal. Alors, qu'est-ce que j'avais dit qu'on ferait? Oula, ok. Je pense qu'on va aller chercher les spécialistes Winja. Je pense qu'on va commencer par Wooga le fabricant. Parce qu'il va nous donner il va nous donner le grappin. Donc le grappin qui est super pratique pour certains endroits, c'est super pratique d'avoir le grappin. Donc ça va être un petit peu long pour y aller. Ça va être un peu chiant. Bon, on n'a pas le choix, hein, on n'a pas de véhicule, c'est comme ça, c'est. C'est comme ça, c'est la préhistoire, hein. C'est un peu plus difficile. Voilà. On se prend de l'arc. Ou gourdin, je sais pas. Petite chèvre. Oh, attendez, je vais essayer d'en tirer une là. Toucher celle-là. C'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que j'ai ma bestiole qui est là. On va lui dire d'aller bouffer celle-là. Ok, elle arrive encore, c'est pour ça. C'est pour ça. Il y a quand même beaucoup de chèvres. Ah, j'en ai touché une. Tu vois, par hasard, je touche une. Par hasard, quoi. Allez, je suis une chèvre, bordel. Allez, tu sais quoi, c'est bon. Et à part là. Allez, plus qu'à 700 mètres. Donc. J'ai entendu un cerf là. Pas de cerf rare. Bon, ok. Donc c'est bon, c'est des Winja. C'est des alliés. On ne s'inquiète pas. Par contre là-haut. Par contre là-haut, c'est pas des alliés ça. On va laisser la bête s'en occuper. On va mettre une flèche. Ouais, je te tue. Voilà. Ok. Plutôt efficace hein, cette petite bête. On va la soigner immédiatement. Voilà. La petite animation bien sympathique. Oula, excusez-moi. Ok, 600 mètres. Bon, ça va quand même assez vite. Hein. On parcourt assez vite la map. Je ramasse un petit peu les ressources parce que ça peut toujours nous servir. Donc ça, c'est un allié, on s'inquiète pas. Ouh, allez, au corps. Oh, ok, c'est bon. Bon, ils sont pas super résistants, mais. Ah, c'est un jaguar, pardon. Pas un léopard. Autant pour moi. Du coup, j'ai de la viande. Ça, c'est pas mal. Attention au doule, là. On va le tuer aussi. C'est de la violence, ça. Ça commence. Ok, c'est juste la peine que je prenne le bois, ce sera bon. Et la peau de doule qui pourrait nous être utile, là. Voilà. Allez, encore 500 mètres. J'aime pas trop quand il y a une ruche comme ça. J'ai peur qu'il y ait un ours qui arrive d'un seul coup. Parce que les ours, c'est un peu. C'est un peu la merde hein, quand même. C'est un petit peu difficile à battre, je trouve. Donc on va essayer de pas se faire tuer tout de suite, hein, ce serait bien. Ce serait pas mal. Et vous voyez, grappin par exemple, là, ça m'aurait été utile, mais bon, là, je peux sauter comme ça. Voilà. Attendez. Ah bah c'est la pierre. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais enfin. Je crois que ça fait de l'expérience, un truc comme ça. Un truc du style, oula, attention. Et des méchants. Ok, en fait c'est pas un. Ok, ça fait comme une merde. Oula. Petit salaud là. T'avais pas vu ça. Ouais c'est bon, annule-moi ça. On va fouiller les corps. Bon allez. On va s'en faire une tout de suite. On va s'en faire des flèches. Et des appâts. Voilà.
On ne sait jamais ce qui peut nous arriver. La petite feuille verte. Ah bah j'ai plus de place, je suis full. Oh là. La saga est ratée, c'est pas grave. Allez, on descend comme ça sans respect. C'est pour monter que c'est pratique le grappin. Pas forcément pour descendre, mais pour monter ça peut être méga avantageux. Alors ces deux-là, ils m'ont même pas vu. Il y a un ours. J'ai entendu un ours, allez là-bas. Il y a même deux. On va les laisser tranquille, hein. On va se barrer. Nous on va se barrer. En plus on y est presque. Allez, viens la bête. Est-ce que j'ai déjà pris la compétence pour apprivoiser? Ah bah je dis justement. Quand je le dis, je le fais parce que sinon après. Une attaque en piqué tue la plupart des ennemis normaux. Ah tiens, chouette attaque. Comme ça vous allez pouvoir voir, je vais une fois faire une attaque avec la chouette, comme ça vous pourrez voir ce que ça donne. Ah oui, donc là j'arrive sur un bûcher. Toi tu meurs directement. Toi aussi. Non, il n'y en a pas que deux. On va s'en faire deux. Il y en a encore un. C'était pas le dernier apparemment. Moi je pense que c'est les derniers. À mon avis. Voilà, super. Donc maintenant, on va faire comme d'hab. Prendre l'arc, enflammer une flèche. Et on allume tout ça. Et voilà. Là, on a un bûcher qui est pour nous. Ça, c'est cool. C'est un peu des avant-postes, quoi, les bûchers. En gros, c'est un peu ça. Et ça augmente la population. Et plus on augmente la population, et plus on aura de bonus. Tout simplement. Alors, attendez, je vais voir si on peut le voir là-dedans. Village, voilà. Comment on voit? Voilà, ici. Donc là, un sac de ressources, deux sacs de ressources, trois sacs, et après des bonus d'XP. Donc il faut quand même pas mal d'habitants. Donc voilà, donc ça pourrait être cool de tous les prendre, avoir des habitants en plus et tout ça et tout ça. Ah non, donc les bûchers, c'est pas les avant-postes. Les bûchers, c'est pour voir un petit peu autour de soi. Voilà. Donc, les avant-postes, c'est les... Voilà, ça s'appelle avant-poste en plus, voilà, tu vois. Tu vois, tu vois. Oula. On va se prendre le petit ardoise qui traîne. Du coup, on va se taper l'avant-poste avant de prendre. Du coup, je vais utiliser ma chouette pour marquer les ennemis. Attention là, la descente. Essayer de pas mourir comme une merde. Ok. Ça s'est plutôt bien passé. Là, on arrive. J'ai utilisé ma chouette pour marquer tous les ennemis. Ça, c'est un côté un peu. Pas cheaté, mais un peu plus fort parce que du coup. On marque les ennemis beaucoup plus facilement que dans les précédents Far Cry, je trouve. Puisque la chouette, les survols, on les marque beaucoup plus facilement qu'avant. Puisqu'avant, fallait se mettre en hauteur et. Alors que là, pas forcément. C'est pas forcément obligé, quoi. On va se mettre là. On va appeler la chouette. Voilà. En plus, il nous le dit, vous pouvez désormais appeler la chouette. Donc là, en fait, si je clique, je fais une attaque en piqué sur l'ennemi et le tuer. Tout simplement. Avec la chouette, c'est hyper pratique. Alors toi, tu vas m'emmerder, tu vois. Hop, attaque piquée. Bam, tu meurs. Voilà. Et ensuite, par contre, faut que la chouette se recharge. Donc, faut pas refaire immédiatement ça, quoi. Ouais. La chouette sera d'entour dans 75 secondes. Faut pas le faire de nouveau, quoi. Ce serait un peu abusé, quand même, sinon. Une petite flèche dans la tête. On va essayer de pas se faire choper. Voilà, jusque là tout se passe bien. On manque qu'il y en a dans une hutte que j'ai pas vu qui sorte d'un coup. Genre là-dedans, il y en a pas un là qui traîne à mon avis. Si si. Ok. Là-dedans j'en ai vu un qui traînait. On va s'exécuter. Voilà, super. Je pense que lui ça doit être le dernier. Là-dedans il y a un loup, on va le laisser tranquille.
Oui, il y a les moulots. De toute façon, on est derrière lui, donc il peut nous voir. On se cache dans la fougère. L'homme fougère, les gars. Et voilà. Avant-poste libéré, on discret, personne nous a vu. Que dalle, voilà. Ah, le marquage de cible, hein, c'est quand même vachement pratique. Il faut quand même faire super gaffe aux huttes. Parce que du coup, je pense qu'ils ont mis les huttes pour compenser le fait que la chouette... la chouette survole. Donc c'est plus simple pour appeler les ennemis, mais je pense que du coup... J'ai mis des ennemis dans les huttes pour faire genre, soit tu les vois pas et faut faire attention quoi. Faut faire gaffe à ce que tu vois pas forcément quoi. Ouais, donc là, un sac de ressources et de nourriture sera envoyé dans le cache de récompense chaque jour. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Du coup on va aller se fouiller là-bas derrière. On va aller voir ce qu'il y a. On va aller fouiner un petit peu. Allez donc là-haut mon gars. On va aller une cache de récompense. Prendre de la viande. Prendre du silex, parce qu'on a utilisé pas mal de peaux de bête. Prendre du bois, donc plus rien. Voilà. Donc là c'est quand même pratique, on peut se servir un petit peu en prenant ce qu'on a besoin. Maintenant on va chercher le fabricant. Alors, c'est par là-haut. J'ai vu qu'il y avait des lianes, on va s'en servir pour monter. Allez, on grimpe. Voilà. Là on est en haut, on va se le chercher, on va se le chercher. Alors, on va prendre le gourdin au cas où faut se défendre. Au cas où faut se défendre rapidement contre je sais pas trop quoi. Allez, on est plus très loin. Parce qu'on va faire tout le trajet d'un coup sans rien faire d'autre, ça fait un peu... C'est un lion que j'ai entendu là? Oh, excusez-moi, j'ai mon moteur qui sonne. A chaque fois, j'oublie de le mettre en mode silencieux. C'est un peu pénible. Chaque fois, il sonne, je suis désolé. J'y penserai la prochaine fois. Attendez, là, il y a des cerfs. On va essayer d'en tirer un avec une flèche. Ouah, attendez. On va utiliser une sagaie. Raté. Allez hop. Le loup qui se lance. Attendez, là ça guet. Il y en a un qui a pas vu. Oh, j'ai eu. C'est bon. C'est bon, c'est ce que je voulais. Mon petit cerf. Voilà, nickel. Ouf, ça c'est des ennemis ça. C'est des oudams. Ouais, ça c'est des oudams. Il me paye ses visites. Quoi. La violence de la sagaie, c'est... Faire des flèches, les gourdins. Et c'est reparti. Nous sommes à 300 mètres. Je pense qu'on va essayer de rapidement s'apprivoiser un jaguar. Un jaguar, j'allais dire. Parce que c'est assez rapide comme bête, donc ça chasse... C'est super bien pour la chasse, c'est super rapide. Là, on descend sans aucun respect. Il y a du doule là, attention. Ah, on peut les apprivoiser. Je vais voir s'il en reste pas un. S'il en reste un. Et je pense pas qu'il va vouloir venir. Ça m'étonnerait. Ah, si, c'est. Je vais l'apprivoiser, ça ferait une bête de plus. Et voilà, deuxième bestiole. Par contre, du coup, je vais pas la garder celle-là. Je vais pas la garder parce que... excusez-moi. Je vais rappeler mon loup blanc. Voilà. Parce que... C'est quoi ça? Ah, c'est un poisson géant. Oh, attendez, parce que... Utiliser ma sagaie. Ok. Super. Superbe, superbe. On va aller se le faire. Voilà. Poisson croc, ça s'appelle. Il y avait déjà ça dans Far Cry 4, pour ceux qui suivent, il y avait déjà les doules, ça y était encore. Les pour les espèces de poissons géants là, ça y était aussi. Bon, les crocodiles, ça y était aussi. Ça, voilà. Ça, on sait que ça restait un animal préhistorique et que ça l'est encore aujourd'hui. Hein, on va faire le tour. On va passer par là. Voilà. Et on a trouvé le fabricant. Ça c'était pas trop tôt.
C'est assez loin quand même, hein. Tant qu'on n'aura pas de monture, ça va être assez loin. Mais bon. Mais bon, mais bon. On n'a pas trop de choix, hein, de toute façon. On fait comme on peut. Ok, c'était super sympa de se faire littéralement pisser à l'arrêt. Alors ça c'était super sympa, putain, merci l'accueil quoi. Il faut cramer ça. Ah, je suis désolé, je viens de voir que j'avais le compteur de FPS en haut, en haut à gauche qui s'était affiché. Non, c'est une option que j'ai mis dans Uplay en fait pour voir l'FPS que j'avais en jeu, je croyais que j'avais un problème sur le jeu, c'est pour ça. Je l'avais mis pour voir et du coup je l'ai pas enlevé. Je l'enlèverai pour la prochaine vidéo, il sera enlevé, vous inquiétez pas si ça vous gêne. Moi je pense pas que ça gêne plus que ça non plus. Enfin voilà, si ça vous gêne, je suis désolé, ce sera enlevé dans les prochaines vidéos, pas de soucis. Alors attends, parce que là je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare. Je crois qu'il y a un jaguar dans la zone et on va essayer de l'apprivoiser. Voyez. Oh, yeah. On va l'apprivoiser. Voilà. Donc ça fait la méthode douce, hein. Sinon j'aurais dû le tuer violemment sans aucun respect. Mais bon, voilà. Une nouvelle bête. Plutôt sympa. On va la caresser. On va la caresser. Ah non, je sais pas. Ok. C'est pas grave. Je pourrais sûrement le faire dehors. Je pense qu'en fait, normalement ta bête ne peut pas te suivre ici. Du coup, je pense que ça a fait un petit peu merder le truc. On la caressera dehors, ne vous inquiétez pas. Donc là, le fameux grappin. La griffe grappin, voilà, bon, c'est pas un secret, hein, grappin, tout le monde sait ce que c'est. Enfin, je pense. Du coup, ça sert à ça, voilà, tu vois, hop, tac, là, on monte. Et voilà, super. Donc là, on a le petit grappin. Qui nous servira énormément. On va faire ça pour prendre aucun risque. Moi, je préfère des saguets, c'est pas la peine de chaque fois les ramasser ou je sais pas quoi. Parce qu'après, j'ai beaucoup de ressources. Il n'y a pas trop de problèmes pour ça. Dans le sac, on se lâche, on passe. Là. Alors, là, les amis, j'ai eu extrêmement beaucoup de chance. Parce que si j'étais tombé, je vais voir ce qu'il y a en bas. Un jaguar, deux, il y a trois, je crois. Il y a trois jaguars. Là. Donc, heureusement que je ne suis pas tombé là-dedans. Parce que, alors là, les gars, j'étais dans la merde. C'est moi qui vous le dis. J'étais un peu dans la merde. Du coup là c'est bon, tout va bien. J'ai beaucoup de chance de me faire attraper par la pierre. Voilà, on va espérer que la chance continue. Je pense qu'on est sorti de la grotte à mon avis. Yes, on est sorti. Et voilà, le petit plongeon stylé. Voilà. On va aller de ce côté. Enfin, un poisson méchant là. Non, c'est... La bestiole, elle nous attend là-bas. Du coup, lui. Ah, faut retourner le voir. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va retourner le voir. Alors. Retournons le voir. Je vais prendre du bois, du coup, comme j'ai utilisé un petit peu avant. C'est moi, j'ai tout au max. Sauf les appâts, voilà. Prendre le gourdin. T'as le gourdin, c'est l'arme de bourrin par excellence, quoi. Avec caillou au bout d'un bout de bois, quoi. C'est the arme de bourrin, quoi. Ah bah le rêve là, celui-là.
Tamarwa? Palu Guaifash, Namaita Diwai. Namaita. Winja Sakwim. Pashta. Kala. Saiwai Shashwai. Hasar Urusis. Balwinja touches la Dai Su. Ma Hasar Urusis. Mi Bichauda. Shashwaidam. Una Tarai. Uwincha Guaifa. Budaf, my God. Sashwatsu Daishan Hasar Urusis Sancha. Hai mi. Ok, ok, ok. Donc là, on va devoir chercher donc les Sandoros, qui sont une pierre apparemment rare et difficile à trouver. Donc, la quête Sandoros. Alors, je crois que c'est par là. Oui, c'est par là. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est un yak blanc, je crois. C'est un yak rare. C'est un yak assez rare, à mon avis. Donc, on va essayer de pas le... pas le rater, ce serait bien. Ah ouais, ça c'est un yak rare. Ça. C'est un yak blanc, ça. C'est de la bestiole rare. Ah, super. On va faire attaquer. Je vais lancer une sagaie. Une deuxième. Qu'est-ce qu'a fait ma bestiole, là? Allez, chope-le, chope-le. Voilà. Ça, c'est la beauté, ça. Super. Oui, jaguar, hein. C'est super efficace. Ouais, voilà, yak blanc. Ah. Super. J'avais dit qu'on le caresserait. On va le caresser. Voilà. Ouais, c'est un gros chat. Voilà. Alors. Feu de camp, ok. Il y a une dame là. Je vais le tuer. Il était seul. Pardon. Examiner les vieilles pierres Winja. Alors. On va déjà aller cramer toutes ces ronces. Il y a que deux cramer. On va éteindre ça. Enquêtez. Vas-y, enquête. Attention. Ok. Au revoir, monsieur. Bonne journée. Ah, super. Sandoros, voilà. Découvrez ce qui scintille. Bah écoutez, moi je vous propose qu'on va s'arrêter là. Parce que si on continue, la quête va être trop longue. On va largement dépasser les 30 minutes. Bah écoutez, moi je vous propose que dans le prochain épisode, on allait voir ce qui scintille. Donc voilà, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Donc on a découvert quand même un nouveau spécialiste Winja, le grappin, qui est super, super important. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à vous abonner à la chaîne, à partager le nouveau let's play autour de vous. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.